preuve. J'avais rien dit. Je crois que j'ai eu une petite varicelle de rien du tout. Ah, ben voilà, vous avez quand même eu la varicelle, une fois. Oui, mais c'était une petite, toute petite, de rien du tout. Mais on n'est pas forcé de dire que c'était une petite varicelle de rien du tout. Il y a des formes de varicelle très graves. Non, mais vous vous souvenez des médecins? Les hommes en blanc qui tournaient autour de votre lit, bouleversés par la courbe de votre fièvre? Ah non, ça c'est dramatique, vous comprenez. Pourquoi voulez-vous absolument que j'ai été malade? Vous ayez été malade ou non, ça m'est complètement indifférent. Mais Léonie en sera ravie. Mais il m'en veut, ce Léonie, alors. Mais au contraire, pour ses lecteurs, c'est bon. Et vous seriez contente de savoir que j'ai été malade? Très. Disons que j'ai été malade. Très bien. Vous avez été si malade que vous avez été obligé d'arrêter vos études, ce qui nous fait de très jolies scènes à raconter. L'adieu du maître au meilleur de ses élèves, arrêté au seuil d'une carrière étincelante, les petits cadeaux des camarades. Ça, c'est excellent, vous comprenez ça? Ça, c'est humain. Oui, mais moi, j'étais à l'école communale et j'étais toujours le dernier de la classe. Monsieur Roussel, ne chicanez pas sur des détails, je vous en prie. Bon, s'il vous plaît, asseyez-vous et continuez vos confidences. Vous disiez que vous étiez né où? Ben, asseyez-vous, vous en avez peur ou quoi? Voilà, vous êtes bien. Vous pouvez même vous tourner sur moi, c'est ce que vous voulez. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude d'être dans des jolis bureaux comme ça. Bon, alors, s'il vous plaît, je vous demande, vous étiez né où? Vous êtes hein? Je suis né... Attendez! Mais je crois que je tiens la meilleure idée, mais oui. Alors là, vous allez être épaté, hein. Alors là, tenez-vous bien. Tenez-vous bien, vous avez été orphelin. Ah, génial. Je vous en supplie, ne me coupez pas. Vous avez été orphelin très jeune. Vous avez été dans un orphelinat très jeune. Disons, l'orphelinat de Saint-Mandé. Voilà, ça fait plus authentique. Vous aviez là une bonne sœur, admirable. Sœur Félicité, oh, une sainte, une sainte. C'est elle qui vous a appris qu'il fallait aimer son prochain comme soi-même, au risque de perdre sa vie pour lui. Et vous ne l'avez jamais oublié. C'est elle qui vous a appris à nager. C'est elle. Et vous en avez une foule de souvenirs. Mais oui, une foule de souvenirs. Vous vous rappelez les tristes soirées d'hiver passées dans les dortoirs glacés, les promenades du jeudi, les files d'orphelins habillés comme des souris, encadrées par les bonnes sœurs à cornettes. Oh, c'est vécu. Mon cher, je crois que nous avons mis le doigt dans le mille. Vous avez été orphelin. Je ne dirai jamais que j'étais orphelin. Ah, écoutez, monsieur Roussel, Georges vient d'avoir une idée sensationnelle, vous n'allez tout même pas la gâcher. Enfin, Léonie sera si content. Mais je m'en fous, moi, de Léonie. Et pourquoi Léonie serait contente de savoir que j'étais orphelin? Mais parce que pour ses lecteurs, c'est bon. Je ne dirai jamais que j'étais orphelin. Mais pourquoi ne le diriez-vous pas? Pensez à la tête de mon père et de ma mère quand vous en parlez. Ah, vous ne me facilitez pas la tâche, hein? Je ne sais pas, moi. Étiez-vous malheureux, au moins? J'étais gâté. Je me souviens, avec mon beau-frère, on allait... Alors, une fois, il y a eu une petite anecdote. Oui, ça pourrait peut-être vous intéresser. On ne sait jamais. Ça a fait un scandale, à Sucy-en-Brie. Oui. Mon beau-frère, qui n'était pas encore mon beau-frère, parce que je le suis toujours, il a une grande personnalité, on était gamins, on avait été voler des fraises. Ah oui, alors là, aucun intérêt, mon vieux. Il va falloir renoncer à cette idée. Oh, c'est dommage. Bah oui. Tu n'en trouveras pas de sitôt une aussi bonne. Et si... Si quoi? Si vous les mettiez dans le secret, vos parents, dites-leur qu'il s'agit d'une plaisanterie. Oh, c'est gênant, enfin, c'est délicat d'aller expliquer à ses parents qu'on est orphelin. Vous avez l'air d'avoir un beau-frère dégourdi, il n'a qu'à s'en charger. Mon beau-frère. Attendez. Est-ce que vos parents lisent la Voix chrétienne? Non. Alors, la Voix chrétienne peut donc écrire que vous avez été orphelin et ils n'en sauront rien. Oui, mais il y a des voisins, des amis qui peuvent lire l'article et le rapporter. Mais si des amis lisent un article à propos d'un Roussel orphelin, ils penseront tout naturellement qu'il ne s'agit pas de vous. Mais il y a le sauvetage. C'est qu'on en a parlé du sauvetage à Sucy-en-Brie. Il y a le maire, il a fait un vin d'honneur pour fêter ma convalescence. Ah, vous vous y employez, vous, hein? Vous vous y employez à votre publicité. Vous pourriez tout de même penser un peu à mademoiselle Martha, tout de même. Moi? Votre sauvetage, vous avez que ça à la bouche. On ne vous l'avait pas demandé, ce sauvetage. Ça... Pour reconnaître, on ne me l'avait pas demandé. Eh ben alors! Maintenant que vous avez fait la gaffe, ne nous empêchez pas de la réparer. Monsieur Roussel, vous ne voulez pas être orphelin?
Même pour me faire plaisir. Oh, je peux pourtant pas les tuer, mon père et ma mère, pour vous servir. Monsieur Flaubert, oui. si je vous proposais, par exemple, une enfance de pauvre. Ah oui, oui, évidemment, mais enfin, c'est moins bon. Avec les privations, le foyer sans feu, oui, je suis... Est-ce que votre père buvait? Oui. Ah! Il buvait de l'eau. Alors nous pourrions dire que pendant les rudes hivers, il n'y avait que de l'eau dans vos baraquements de... Ah non, on avait de l'eau. Un petit logement gentil. Ah ouais. Enfin, nous dirons des baraquements, ça fait plus... Bon, d'accord. Des baraquements, de l'eau qui gelait, que vous étiez obligé de casser avec un petit marteau pour manger la glace. Ah, j'ai une petite anecdote qui... Alors là, vous allez être content. Ben, j'espère, alors. Les lecteurs vont être ravis. Oui. Léonie, il va sauter de joie. J'ai beaucoup souffert un jour dans ma jeunesse. J'avais 7 ans, j'ai souffert parce qu'en trottinette, je me suis cassé la jambe. Ah, mais c'est peut-être intéressant, ça, Georges. Ah non, il faudrait quand même pas que ça fasse trop. Je ne voudrais quand même pas faire rire. Tu vois, Françoise, ce qu'il nous manque, c'est le petit détail qui fasse vrai. Enfin, j'essaierai de le trouver. Mais au fait, nous ne savons toujours pas où vous êtes né. Je suis né... Non, bah écoutez, mon cher, ça va très bien. Ça va tout à fait très bien. Je crois que nous tenons un article formidable. Bah, il sera peut-être formidable, mais il n'y aura absolument rien de ma vie. Enfin, écoutez, ce n'est tout de même pas à moi que vous allez apprendre comment on raconte sa vie à un journaliste, hein. Et d'ailleurs, ce soir, monsieur Roussel, nous avons autre chose à faire. J'ai organisé votre soirée. Monsieur Roussel est invité au bal de l'Opéra. Merveilleux! Vous êtes d'accord pour y aller? Bien sûr. Oui. Françoise, je crois que tu te trompes. Ce n'est pas avec toi que Monsieur Roussel ira au bal de l'Opéra. Tu n'es pas encore une vedette. Et le héros du Pont de l'Alma ne peut aller en soirée qu'avec une étoile de première grandeur. Marilyn Wood. Ah, très bien. Tu vois, Georges, je trouve cette idée beaucoup moins bonne. Je te dirais même, je la trouve tout à fait... stupide. Bon, ben, d'accord. Elle n'a pas l'air d'être contente. Aucune importance. Mon cher, merci d'aller au bal de l'Opéra. Ah oui, mais enfin, j'avais accepté pensant que c'était Mademoiselle Françoise Martin, mais maintenant que c'est plus elle, je ne pense pas que je puisse dire oui. Et pourquoi? Parce que je voudrais pas lui faire cet affront. Et vous préféreriez faire l'affront à Marilyn Wood? Oh, mais Marilyn Wood, je la connais pas, elle me connaît pas non plus. Mais justement, pour faire votre connaissance, elle a refusé de sortir avec un général, un académicien et un auteur. Alors? Oh, alors... Oh, vraiment, sincèrement, je suis très ennuyé. Je me demande qu'est-ce que je vais faire. Mais moi, je le sais ce que vous devez faire, monsieur Roussel. Allez au bal de l'Opéra, avec Marilyn. Ah, oui. Croyez-moi, un homme normalement constitué n'a jamais refusé d'aller au bal avec Marilyn. Oui, alors. D'accord, de ce côté-là, mais je voudrais pas... Je voudrais pas vexer Françoise Martin. Oh, évitez de penser toujours à elle qui ne pense pas à vous, mais uniquement à elle, croyez-moi. Oh, ben... je pense qu'elle pense un peu à moi aussi, puisque... Oui. Tout à l'heure, quand je lui ai offert le bouquet de fleurs, j'ai vu, elle était très émue. Bon, monsieur Roussel, je vais vous faire une proposition. Oui. Si Françoise a laissé vos fleurs, vous allez à l'opéra. Oui. Si elle les a emportées, vous n'y allez pas. D'accord? Ah ben, d'accord, alors là, je suis tranquille, là. Je suis tranquille. Jeanne? Il y a des regards de femmes qui ne trompent pas. J'ai bien vu comme elle était émue. Voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Bon, ben, c'est d'accord. C'est convenu. J'irai au bal de l'opéra. Enfin, monsieur, expliquez-moi comment ça s'est passé. Mais qu'est-ce que je vous dise, moi?
C'était 2h du matin, à l'opéra, très chic. Toutes les dames en robe de soirée, des lumignons partout, c'était bien, j'étais gêné, j'étais là, mais enfin j'essayais d'avoir bonne contenance. J'étais à côté de Marilyn Wood, très gentille, nous sympathisions. Elle parlait anglais, moi je parlais français, enfin, on s'entendait très bien. D'un seul coup, il y a un monsieur qui arrive. Il avait fait du bruit, je l'avais déjà remarqué. Il est arrivé et il a parlé à Marilyn Wood d'un ton qui ne me plaisait pas. Comme j'étais son cavalier servant, je lui ai dit, d'un moment, monsieur, veuillez s'il vous plaît nous laisser quelques instants. Alors, qu'est-ce que c'est? Il m'a poussé. Je lui ai dit, oui, attention. Je l'ai repoussé. Il m'a repoussé. K.O. Et c'est après que j'ai su que c'était l'ambassadeur d'Argentine. Fleur de canard. C'est bien ce que je dis, vous êtes un type insortable. Mais enfin, je ne sais pas moi, vous aviez donc fait de la boxe? Oui, un petit peu, à la salle de gymnastique de la BLDI. Mais c'est la première fois que je réussis un si beau KO, hein. Et vous me l'avez réservé. Je suis sensible de cette attention. Les journalistes s'en sont donnés à cœur joie. Pugilat à l'opéra, Marilyn déclare, Auguste est wonderful. Ah, dis donc, au fait, je voulais vous demander, depuis ce matin, tout le monde me dit, vous êtes Vander... Wonderful. Qu'est-ce que ça veut dire? Wonderful? Oui. Ça veut dire fantastique, extraordinaire, sensationnel. Oh, ah, ouais, oh là, elle exagère quand même. Monsieur Renaud, voyez de là et là, tu lui as donné rendez-vous. Ah oui, bah, très bien, je le reçois tout de suite. Bon. Mon cher Auguste, prenez donc ces journaux et allez m'attendre dans la pièce à côté, s'il vous plaît. Hein? Et je vais vous chercher un sujet. Ben oui, ben ça va comme ça. Quel imbécile! Les recettes de Marilyn montaient du tonnerre et d'un seul coup de poing de démolit tout. Ah, je me demande bien ce que je vais pouvoir raconter à Carson. Bon, vas-y, tu peux me faire rentrer ce monsieur. Bon, d'accord. Monsieur Renaud, voyez-le là. Monsieur Farmer? C'est moi, monsieur. Je vous en prie, veuillez vous asseoir. Pardon, merci. Monsieur Flower. Hier, au téléphone, je préférais ne pas vous dire mon titre. Oui. Je suis, depuis plus de 15 ans, directeur des services de publicité de la BLDI. Ah. C'est amusant, n'est-ce pas, mon cher collègue? Je suis très honoré, monsieur. Oh, il n'y a pas de quoi, monsieur, il n'y a pas de quoi. C'est plus pour moi une situation de travail, et entre nous, je le dois beaucoup à mon nom. Ah oui? Boyer-de-là. Renaud Boyer-de-là. Merci, merci. Voilà. Monsieur Faber. Depuis une quinzaine de jours, les journaux font grand bruit autour d'un employé de quatrième classe de notre agence H de l'avenue Rapp. Monsieur Roussel. Roussel, c'est ça. Antoine Roussel. Non, Auguste. Pardon? Je dis Auguste, il s'appelle Auguste Roussel. Ah, excusez-moi, je savais qu'il avait un prénom d'empereur. Oui, d'ailleurs, ça n'a aucune importance. Bon, tout ce bruit à propos d'un geste dont il faut reconnaître la beauté, mais tout de même aussi la banalité. Oui. J'avoue que pour ma part, je me serais intéressé plutôt à la ravissante désespérée. Ah. Vous la connaissez? Ah oui, très très bien. Oui. Tiens, mais c'est intéressant, ça. Il faudra que je vous en reparle. Oui, bon...